Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce quatrième épisode des aventures de Rayman dans Rayman Légende. Donc avant d'aller vous montrer hop, les prochains niveaux, je vais vous montrer ce que c'est quand même les créatures. Vous voyez, c'est des petites créatures qui apparaissent. Donc là, ils vont me débloquer tout ce que j'ai découvert jusque là. Hop, voilà, donc en fait chaque jour les petites comme c'est indiqué, chaque jour les petites créatures vous donnent des looms ou des pièces, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça vous permet d'avoir des looms en plus pour débloquer donc certains personnages ou certains autres trucs. Hop. Généralement c'est surtout pour les personnages. Sachant que le plus haut personnage, il faut 1 million de looms. Donc il faut faire des niveaux et débloquer des challenges. Donc les héros, pas la peine. Ça c'est pour changer, mais je vais rester sur Rayman. Je passerai peut-être sur Globox dans les bonus. Donc c'est parti, on va aller faire le premier niveau. On pourra récupérer ce cœur. Comme toujours, je vérifie en arrière s'il n'y a pas quelque chose. Donc là, c'est le retour des... Hop, de l'air qui grimpe, hop. On va récupérer ces looms là. Faut toujours regarder en bas s'il n'y a pas un passage. Ou s'il n'y a pas des trucs cachés, comme toujours. Voilà, nickel. Là, vous voyez, un truc. Enfin, c'est un cœur. Ça peut être des fois un petit être ou autre chose. Hop, on va grimper. Je voudrais grimper. L'instru dans ces niveaux fait penser étrangement à... au désert des didgeridoo qu'on avait entendu dans le Rayman Origins. C'est plus ou moins parce que c'est... ça ressemble plus ou moins à ce niveau-là. Hop. Oula, là on va aller retourner en arrière. Là il faut faire un saut plus... non, s'il vous plaît, monsieur Rayman, on va plus haut. Non, pas voilà, j'allais dire. Bon, je vais quand même pas oublier celui-ci. Non, il veut pas. Bon, tant pis. On va aller finir. De toute façon, je pense que je serai dans le... dans le bon. Hop. Si je fais pas d'erreur, bien sûr. Hop, on va aller faire la suite. Il nous faut monter direct, mais... je sens qu'il y a un truc en bas. Ah, voyez la preuve. Ah, y a un passage ici aussi. Ouais, non. On va d'abord aller par ce passage là-haut. Ah, en fait, c'est au choix. D'accord, c'est auto au choix, donc... vous voyez, ça s'anime dans le fond. On va peut-être avoir des crapauds à taper. Hop. Oui, parce que c'est des crapauds. Je sais pas où c'est qu'ils ont vu que c'était des crapauds. Pour moi, c'est des crapauds pirates plutôt. Hop. Donc là, on va essayer de pas se faire attraper par le monstre avec les pattes. Ah, il m'a pas eu, heureusement. Je vais voir s'il y a... s'il n'y a rien, je vais pas tenter le diable comme on dit, mais hop, on va juste vérifier. Voilà. C'était dangereux ce que j'ai fait, mais je l'ai fait.
pensais que ça m'activerait quelque chose de spécial, bah, apparemment non. Hop, on prend toujours les looms. On essaye de pas se faire attraper. P. Je regarde quand même en hauteur. J'ai bien fait. Alors là, hop, ça, ça nous montre la fonctionnalité du coup foot. Ah, raté. Voilà. Donc le kung fu que je vous ai pas montré parce que tout seul ça ne sert à rien. Mais vous le verrez peut-être dans d'autres vidéos. Bon, là il n'y a plus rien. Oula. Une ronce géante. On va essayer de passer gentiment pour récupérer ce. Ça a été réussi, on va voir si on peut pas prendre les autres passages. Ah, la bouteille avec le cœur qui peut être utile pour récupérer plus de looms. Hop, on prend par ici. Et il y en a encore un autre. Il me reste trois petits êtres à récupérer. Là, je sens que c'est un petit passage où il y a un petit être. C'est bien ça. Donc, il me restera plus que deux. Si je sais compter, bien sûr. Alors, ces champignons, je ne sais pas à quoi ils servent, à part peut-être à décorer. Faire les tuer rapidement. Voilà. Donc là, c'est plus comme dans Rayman Origins où vous les tapez juste une fois et ils vous donnent des looms. Du moins 4 ou 5, je crois. Là, il me reste plus qu'un. En espérant que je ne l'ai pas oublié en arrière. Ah non, mais bah, il est juste en haut. Voilà, celui-là, il faut le faire tomber. Celui-là, on tape direct. Il s'est planté sur les pics. Hop. Et voilà, vous voyez, au niveau des looms, je suis largement haut. Et là, on arrive au final. Donc là, on pourrait sauter, mais non, on va pas aller se jeter en bas quand même. On va aller gratter ce tigier. Ah, une créature en plus. Bon, on ira voir ça plus tard. Donc là, on va aller faire le niveau suivant. Si on récupère ce cœur, toujours. Je me suis raté. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. C'est ça que je voulais faire. Voilà, ça me fait. Oh, j'aurais pu y aller par là. J'ai fait n'importe quoi. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Ah, un niveau avec Luffy. C'est vrai qu'une fois sur deux, il y revient. Donc là, une nouvelle fonctionnalité. Il active des interrupteurs pour. Hop, on va essayer de pas se faire avoir par ici. Il y a une pièce toujours cachée. Là, il y a un petit Z2 caché. Hop. Là, hop, encore un petit Z. On va les récupérer.
Et voilà. Donc vous voyez que c'est toujours assez simple. Encore au début, on est encore dans les premiers niveaux, c'est normal. Et vous allez voir que plus tard, je vais commencer à fail un peu plus. Donc là, vous voyez, on va fermer les yeux. Non, c'est pas moi qui dois fermer les yeux, sinon je vais me fail. Hop. Allez, se récupérer ici. Voilà, c'était pas trop la peine de le chatouiller. Hop. Il faut pas se faire toucher par les dents, sinon on se fait avoir rapidement. Comme ça on va plus vite. Oula, je vais essayer de pas me faire toucher moi, j'ai vu que j'ai plus de vie. En même temps, je dis plus rien pour vous laisser apprécier la musique, parce que dans ces niveaux, la musique est vraiment pas mal. J'ai pas fait attention si j'ai... Je pense qu'il y a peut-être quelque chose plus haut là, ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Je vais quand même aller vérifier si je peux oublier quelque chose par ici. Non, j'entends plus de petits êtres. Non, c'est bon, hop. On va aller faire d'abord par là. Voilà, je sais pas bien ce que je pensais. Chaque fois qu'il y a un trou, c'est toujours un petit être qui est caché. Hop. Non, c'est pas ici, ouais, c'est plutôt par ici. Donc là, bien sûr, je pense que... Il faut faire comme ça. Je vais quand même récupérer le loom, ce qui me manque, s'il te plaît. Rayman, hop, voilà, nickel. Ouais, il m'en reste plus que deux, donc on arrive à la fin du... presque à la fin du niveau. Donc il doit être caché pas loin. Ah bah non, juste là. Les crapauds sont un peu débiles quand même. Ils se jettent... ils se suicident carrément. La preuve. Je récupère ce Looms même si... Voilà, j'ai tous les petits êtres et je peux y aller. Et en plus, j'ai les 600, donc c'est tout à fait tranquille. On va pouvoir aller à la suite. Donc là, vous voyez, les premiers niveaux sont toujours assez simples. Donc, je le redis encore une fois, mais... Alors, on est presque à une centaine de... Ah, cinquième niveau... Quand on connaît le jeu, ça va un peu plus vite pour monter les niveaux. Ah oui, j'ai le truc à gratter, on va aller vite le faire. Hop. Ah, un petit être en plus, on approche du 100. Plus que 9 avant le 100, hop. Hop,
Et généralement ces niveaux, ces niveaux vous les retrouvez dans les challenges. Hop, c'est les niveaux en fait où il faut aller le plus bas possible. Mais bon là là on est dans les challenges, c'est généralement aller en bas jusque pendant un temps imparti ou pendant bon là vous avez pas de piège pour l'instant. Là par contre je crois que c'est 300. Ces 300 looms à récupérer. Je crois que j'en ai raté un. Bon, heureusement, j'ai fait un fail. On va essayer de le récupérer. Je fais un peu n'importe quoi. Hop. Oula, j'ai refailli fail. Dans les challenges, par contre, c'est pire, hein, pour récupérer les looms et pour passer, voilà, c'est des fois, il n'y a pas une seule boule, il y a plusieurs boules. Ou la pique, là, que vous avez eue. Mais là, par contre, j'ai pas beaucoup de looms, il va falloir que je refasse. Je referai dans les machins bonus. De toute façon, je reviendrai pour récupérer tous les looms. Et les petits Z que j'ai oubliés bien sûr. Hop. Donc là voilà. Une Aurora qui ressemble beaucoup à Meglipsum dans Braveheart. Hop. Donc on va faire le dernier ticket que je viens de recevoir. Hop, on va rater. Ah, et une créature en plus. Aller voir ces créatures parce que malheureusement on arrive à la fin de ce 4e épisode. Je vais aller désactiver cette petite créature, du moins ces deux petites créatures, je sais plus combien j'en ai eu. Ah, j'en ai eu deux, c'est bien ce que je pensais. On récupère ceci, on récupère l'autre. Donc hop, les héros, je vais quand même vous montrer. Hein. Donc là, on va en débloquer quelques-uns. Voilà, donc là vous avez juste surtout les principaux, donc là c'est ce qu'on débloque avec le jeu, ça c'est les principaux qu'on retrouvait, ceci c'est ce qu'on retrouvait principalement dans Rayman Origins, ça c'est un nouveau, donc c'est un Globox chevalier, hop, un Rayman chevalier, le petit Z fan de Rayman, le Globox rouge, le petit Z Globox, le Rayman Globox, la princesse petit être et le Glombrox. Et donc vous voyez, il y en a pas mal à débloquer et un qui vaut 1 000 000. Et bien sûr, il y en a un qui est débloqué si on fait 100% du jeu. Donc 100% du jeu, ça veut dire débloquer tous les petits êtres. Je vais aller me replacer dans le niveau. Devant le prochain niveau, et c'est là que je vais vous laisser. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.